je partage. Donc, comme vous le savez, donc, pour un récap, on nous a donné une loi normale quelconque, sans de moyenne, sans et d'écart type séquence. On a préparé le passage de cette loi vers une loi normale centrée réduite de paramètre z qui est égal à x moins 100 sur séquence. On a vu l'exemple dans le cas où le sens de variation n'est pas inférieur ou égal. On a utilisé la propriété du complémentaire. Probabilité de x supérieure à 130, c'est 1 moins probabilité de x inférieur ou égal à 130. Puis on a retranché la moyenne et divisé de l'écart type et on a lu cette valeur à sa correspondance en probabilité dans la table. Dans la deuxième question, le sens de variation, on n'a pas de problème. Donc on a directement retranché la moyenne et divisé par l'écart type. On a retrouvé une valeur négative. On sait très bien que lorsque on n'a pas dans la table des valeurs, on n'a pas dans la table, donc je répète, donc x, dans le premier exercice, x, on a supérieur. Donc dans ce cas-là, on a utilisé le complémentaire pour avoir le sens de variation inférieur ou égal. Et on a terminé le calcul. Mais dans la deuxième question, on n'a pas de problème avec le sens de variation, mais on a une valeur négative. Donc, on a utilisé la propriété de la symétrie, phi de moins x égale à 1 moins phi de x, pour régler ce problème et pouvoir lire cette valeur dans la table et retrouver sa probabilité. Dans la troisième question, il nous demande quelle est la probabilité que les enfants passe entre 60 et 140 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, il suffit de retrancher, comme d'habitude, la moyenne et de diviser sur l'écart type. Donc, 60 moins 100 sur 50 et 14 moins 100 sur 50. 140, bien sûr. Donc, ça donne moins 40 sur 50 ou 40 sur 50. Ça donne moins 0,8 et 0,8. Donc, phi de la borne supérieure moins phi de la borne inférieure. Donc, phi de 0,8 moins phi de moins 0,8. Vous savez très bien que lorsque vous avez phi de x moins phi de moins x, c'est égal à 2 fois phi de x moins 1. J'ai même fait la diffi Donc, ce résultat, on le retrouve en utilisant la propriété de la symétrie, c'est-à-dire. Donc, phi de moins x est égal, donc phi de moins 0,8 est égal à 1 moins phi de 0,8. En d'autres termes, comme résultat, 2 phi de 0,8 moins 1. Ce qu'on va regarder maintenant, la probabilité de 0,8. On a 0,8 et 0 dans la ligne. Donc, on a 0,7881. Donc, on termine le calcul. Ça donne 2 fois cette probabilité moins 1 est égale à 0,5762. Maintenant, dans la quatrième question, on a tout simplement donné la probabilité. On va chercher la valeur. Et on remarque ici que notre variable aléatoire, on lui a retranché déjà la moyenne. C'est-à-dire, on ne va pas la retrancher encore une deuxième fois. On va juste. Voilà, on va seulement diviser par les deux parties par l'écart type, puisqu'on a x moins 100. Donc, on a x moins 100. Donc, on divise par 50. On a la statistique recherchée. X moins 100 sur 50 est inférieur ou égal à alpha sur 50. Donc, phi de alpha sur 50 égale à 0,7910. Donc, 0,9709. 7910, c'est une probabilité. On va chercher cette probabilité dans la table. Comment on cherche cette probabilité dans la table? Vous le savez très bien que la table de la loi normale est une table croissante, puisque les fonctions de répartition de la loi normale est une
fonction de fréquence cumulée croissante. Donc, on va chercher 7, 0,7, 0,5, 0,5, 0,6, 0,6, 0,6, 0,7. 0,7, ça commence ici. Mais Ahna, qu'est-ce qu'on a comme valeur recherchée? On a 7,9. On va chercher 7,9. Donc, on descend dans la table, 0,7, 0, 0,7, 3, 0,7, 6, 0,7, 9. On regarde dans cette ligne, on retrouve ici notre probabilité recherchée, 0,7910. Ça correspond en colonne à 0,8, ça correspond en ligne à 0,01. Donc, la valeur recherchée, c'est 0,81. Donc, en d'autres termes, phi de alpha sur séquence est égal à phi de 0,81, c'est-à-dire alpha sur séquence égale à 0,81. En fin de compte, alpha égale à 0,81 fois séquence égale 40,5 minutes. Pour terminer cet examen, la dernière question. Un étudiant révèle que les réseaux sociaux... Je m'excuse. Une étude révèle que les réseaux sociaux nuisent à notre santé psychologique. C'est un fait. Pour éviter de sombrer dans la déprime, cette dernière étude précise qu'il ne faudrait pas passer plus de 30 minutes chaque jour sur ces réseaux. Une association de parents a mené une campagne de sensibilisation visant à inciter les enfants à réduire leur temps de navigation. Donc, tout ce paragraphe, c'est une introduction. Qu'est-ce qu'il nous demande de chercher dans l'exercice? Il nous demande de chercher cette probabilité, tout simplement. La valeur de A dans cette probabilité. Comment doit-on choisir A pour que la probabilité de X sur A inférieure ou égale à 30 égale à 0,9750. On écrit cette probabilité. Donc, Ahna, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche toujours X à présenter la statistique X moins la moyenne sur l'écart type, X moins 100 sur 50. Donc, A ne doit pas diviser x. C'est pourquoi on multiplie produit des moyens fois produit des extrêmes. Donc, on a x inférieur ou égal à 30a. Maintenant, on va retrancher 100 et diviser par 50. X moins 100 sur 50 inférieur ou égal à 30a moins 100 sur 50. Donc, en fin de compte, c'est égal à phi de 30a moins 100 sur 50. Est égal à cette probabilité. On va chercher cette probabilité dans la table et voir sa correspondance. On a 0,9750. 0,9, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6. Non, 9, 7. 9, 7, 26, 9, 7, 32, 9, 7, 38, 9, 7, 40. 9, 7, 0,9750. Ça correspond à 1,9 dans la ligne. Et dans la colonne, ça correspond à 0,06, c'est-à-dire 1,96. Donc, 30A moins 10 sur 50 est égal à 1,96. C'est-à-dire 30A moins 100 est égal à 1,96 fois 50, est égal à 90, 18. En fin de compte, A est égal à 100 plus 98 sur 30 est égal à 6,6. Ainsi, on a terminé la correction de l'examen de l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions?